C'est à l'école d'aviron d'Alger que nous avons rencontré le jeune athlète. Aujourd'hui, les JO, c'est déjà du passé, mais Boudina en garde tout de même un très bon souvenir. Un truc magique à vivre pour chaque athlète. C'est une belle expérience pour moi parce que c'est la première fois que je fais ces Jeux-là, ces Jeux Olympiques. C'est le rêve de chaque athlète. Et du coup, ça a été une belle expérience pour moi. Son amour pour l'aviron et son parcours honorable aux JO n'auront pas été suffisants à le dissuader de mettre fin à sa carrière sportive. Je pense que c'est une décision définitive. J'ai 26 ans. En fait, l'aviron, c'est un sport amateur. On n'est ni payé par le club, ni par la fédération. Du coup, notre seul revenu, un petit peu, c'est les médailles qu'on gagne. Mais si on se blesse, par exemple, on n'a aucun revenu. Pour Boudina, l'aviron reste un sport amateur en Algérie. Vu le manque flagrant de moyens, il n'y a qu'à voir l'état du club d'aviron d'Alger, où l'athlète avait fait ses premiers pas et qui est à l'abandon et squatté par les passants. Ça fait plus d'un mois que les Jeux Olympiques se sont arrêtés. On ne s'entraîne pas, tout simplement. On ne s'entraîne pas alors que les autres athlètes, les autres champions, ils ont pris 15 jours de vacances et là, ils sont déjà en train de préparer Tokyo. Enfin, Boudina a tenu à répondre aux propos du chef de la délégation algérienne à Rio, Ammar Brahmia. Et j'ai vu que M. Brahmia m'avait cité en disant que voilà, si pour moi, j'étais pas prêt, il fallait pas que j'y aille. Et du coup, ça m'a un petit peu blessé parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant ces années-là. Ce que ne sait pas M. Brahmia, c'est qu'en France, j'ai été jeté à la rue pendant 15 jours. Où j'étais vraiment à la rue, où l'ancien président de la fédération, et j'ai les papiers, j'ai toutes les preuves sur ça, m'a enlevé la carte de séjour. Le temps est donc venu pour ce jeune athlète de 26 ans, qui avait fini au quart de finale des JO, de ranger son bateau et se tourner vers l'avenir, un avenir où l'aviron ne prendra plus beaucoup de place.